Allez, ça t'est pas arrivé de perdre des clés de voiture. Ah non. Lui, il a plus de chances de perdre son slip que ses clés de voiture. Non, mais c'est rigolo. Tu vois, il arrive, c'est lui. Non, merde, j'ai perdu mon slip. Tristan, il est chez toi? Chez Thibaut, tu penses? D'accord, je l'appelle tout de suite. Vous avez oublié, c'est quelqu'un. Vous avez déjà oublié votre slip, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Non, ouais. Arrêtez. Ça, c'est vrai. Et comment tu peux oublier ton slip? Ah, ça, c'est une date, vrai, ça. Ah ouais, ouais. Arrêtez, racontez-moi. Alors, on était fin de soirée. J'adore. Ah, attendez. Le gars, quand même, a perdu son slip chez quelqu'un. C'est quand même fou. Daniel, vous aimeriez que ça vous arrive? Non, je l'ai pas perdu. Personne qui trouve la culotte de Daniel, elle se dit ça, c'est fin 19e siècle. Le gars prend la culotte, il va direct se faire conclure, ça vient d'abord. Alors, c'est une très belle culotte, fin 19e. Elle a appartenu à Joséphine de Beauharnais. Combien pour la culotte? Alors Julien, 50 balles. Non mais c'est direct, il va faire conclure direct. Alors vous avez oublié votre slip chez quelqu'un, racontez-nous. Hein, une anecdote comme ça, j'en ai 1000, hein, je pourrais écrire un bouquin, c'était en Grèce. Bah écoutez, bah, commencez tout de suite. En Grèce encore. Ouais. En Grèce, vous avez fait des ravages. Ah, je reconnais que Mykonos. Non mais sans déconner. Ah ouais. Ah mais lui c'est le Karcher de Mykonos. J'étais jeune. Où il passe, les quéquettes trépassent. Non, mais je faisais les allers-retours en scooter dans la nuit. Non, c'est pas vrai. Ah si, parce que tu as quelqu'un, bah tu vois, tu retournes en bois. Quoi, c'est pas vrai. Quand tu veux faire plaisir. C'est pas vrai. Je vais laisser cette seconde. Ah ouais. Bon, bah voilà. Et là, lui, c'était top 30. Il était avec son copain dans la boîte. Qui? Bah, le mec. Le garçon, comment il s'appelait? Ah, il sait pas. Il sait jamais. Alors, vraiment, je n'ai aucune idée. C'est pas curieux. Bah, si, j'ai curieux. Comment s'appelait la boîte? Ah, la boîte. Le Mykonos, il y en a deux. Elle s'appelait le Rambo. Le Rambo. Ça tire en rafale. Je peux vous dire que c'est vrai. Là-bas, ça tire en rafale. Je peux vous dire que ça y allait. Le Rambo. J'adore parce que... Mais, le Rambo, bonjour. Jean-Patrick à l'accueil. Non, mais c'est vrai. Le Rambo. Ouais. Généralement, les mecs, à la fin, ils font « C'était pas notre guerre. » Mais c'est extraordinaire, le nom de la boîte, ouais, on va où ce soir au Rambo? C'est vrai? Je vais me faire cartoucher. Mais sans déconner. Parce que Mykonos... Je vais me faire cartoucher. Mais non, mais... Et l'autre s'appelle comment? Comment s'appelle? L'autre s'appelle comment? Le Rocky? Non. L'autre, je sais plus comment elle s'appelle. Ah, d'accord. Le Minégal. Mais que vous compreniez, si vous allez un jour, c'est très simple, Mykonos. L'après-midi, vous êtes sur une plage gay. D'accord. Petit maillot de bain, nanana, doigt à la mer, petit jeu de regard. Alors, généralement, on fait pas des châteaux de sable. Hein. Non, voilà. Hein, tu fais quoi ce soir? Tu vas au Rambo? Ouais. Il est 16h17 et on sait qu'on s'y retrouve. Donc on a l'après-midi, on a déjà une petite idée de la cartographie. Ah ouais. Tu fais que quand c'est moi j'allais au Rambo, un peu comme vous le conducteur, je savais déjà un petit peu. Ah ouais. Tu vois, qui était qui, comment étaient gaulés les gens, qui était avec qui. Moi l'après-midi je dors pas à la plage moi. Tac tac tac. Le jazz de la plage. Lui c'est Waystub. Et c'est des plages naturistes. Du coup t'arrives. Non, c'est pas des plages naturistes. Mais tu vois. Généralement. Tu vois le gars. Je vais te dire, Joseph. Oui. Généralement, quand ton mec prend un maillot chez Petit Bateau, tu devines. Tu sais que tu devines que bon, le soir, tu le verras pas au Rambo. Hein. À mon avis, non. Alors. Tu crois ce qu'il y a à la plage, tu devines. Tu devines. Non, mais arrêtez, non. Non, mais tu devines que c'est quelqu'un de formidable. Alors. Bah oui. Et puis, il va dans des eaux très froides. Je vous le dis. Du coup, que tu arrives en boîte, t'as une phrase toute faite. T'arrives, tu dis, excuse-moi. Je peux te bouffer le cul? Non. Je rappelle pour ceux qui nous regardent avec modération. Merci. Mais non. Alors. C'est quoi la phrase? Alors, tu dis. C'est quoi la phrase? T'étais pas au loulou cet après-midi? T'étais pas quoi? Au loulou, c'est la plage. À la plage, c'est loulou. Alors on passe du loulou au Rambo. Ah oui, mais t'es marrant, je fais pas les noms. C'est la même accueil? Oui, c'est toujours Patrick au loulou. Je serai au Rambo ce soir. Il dit si, j'ai. C'est pour une bouteille ou une tub? Parce que des bouteilles, on en a plus. Alors oui, donc alors oui. Tu disais pas au loulou? Si, si, donc du coup, ça lance un petit peu la conversation. Tu viens d'où? Moi, je suis français, tadam. Rapide. Au bout de 4-5 minutes, on décide d'aller coucher ensemble. 4-5 minutes, c'est rapide, mais préliminaire. Quoi? Hyper rapide. Ah oui, nous, on s'emmerde pas. Ah ouais? Ah non. Oh, Rambo, on n'a pas le temps de voir la fin du film. On voit
que le générique, c'est déjà fini. Hein. Non, mais c'est pas vrai. Non, mais on sait pas qu'on est là. Direct. Non, mais c'est le truc d'hétéro, là, vos conneries, là, on se parle. On... Ouais, c'est vrai. En mode de nuit, après, le matin, t'apprends un gars. Je suis complètement d'accord avec toi. Bien sûr. Non, mais sans, je suis complètement d'accord avec toi. On skip toutes les intermédiaires à la con, là, les restaurants, les verres et tout ça. T'as raison. Ça coûte tellement moins cher, en plus. En économie. Tu te rends compte si Castaldi avait été homo, sans rigoler, les économies qu'il aurait fait. Non, mais c'est vrai, sans rigoler. Non, mais c'est vrai, il aurait racheté la chaîne. C'est fou, sans déconner. Mais pense-y, ça fait des années que tu te trompes, toi. Tu te trompes d'itinéraire, prends l'itinéraire bis. Bien sûr, bien sûr. Pas possible, alors, oui. Mais franchement, quand tu demandes à une meuf qu'est-ce que tu fais dans la vie, ça t'intéresse, sa réponse à 3h du mat? Moi, pas du tout. Eh ben voilà. Quel que soit l'heure, ça t'intéresse pas. Il n'y a pas de zizi, de toute façon. Oui, bien sûr, c'est vrai. Là, alors. Je lui dis, tiens, si tu veux, on va à mon hôtel, on couche ensemble. Il me dit oui. Ah, c'est comme ça direct. Oui, bah oui. Mais c'est vrai qu'au quotidien, on va à mon hôtel, c'est pas pour aller visiter. Non, voilà. Mais je dis, mon copain est dans la boîte. Non. Donc il me dit, il faut qu'on soit un peu discret, c'était une boîte sur deux étages. Ah, ouais. Bah, Rambo 1, Rambo 2. Il faut qu'on soit un petit peu discret. C'est comme ça qu'ils appellent les. Ouais, ça s'appelle Rambo 1, Rambo 2. Rambo 1, Rambo 2, c'est les deux étages. Mais il y a des. C'est quoi, c'est-à-dire que c'est comme les étoiles au ski. T'es quoi, je suis Rambo 2 là. T'es débutant, tu restes. C'est bon, c'était. Quand t'es Rambo, t'es débutant. Quand t'as Rambo 2, là, je peux te dire, là, qui va. Là, c'est la vraie guerre. Là, ça y va, c'est l'air. Rambo 3, frère. C'est un massacre. C'est un marasme. Non, mais l'étage, c'est un peu plus chaud, quoi. Alors, oui, oui. Ah oui, Rambo 2. L'étage, ça danse. C'est-à-dire, si j'arrive, ils me disent. Lui, Rambo 2. Non, merci. Non, c'est bon. Ouais. Va démarrer doucement. Voilà. Merci. Oui. Du coup, il me dit, lui, il est en train de danser. Il y a beaucoup de monde. Il me dit, si on fait ça vite, il verra pas que je suis parti. Ah ouais. Parfait. Oh, hop, voilà. On va scooter. Chez lui. Scooter. Ouais. Scooter. Ça, c'est mon scooter, mais on va chez lui. Il est plus près. D'accord. On va chez lui. On commence à coucher ensemble. D'accord. Donc, papa dans maman. Papa dans papa. Oui. Le sommeil était russe, c'est rigolo. Et du coup, quand je... Et là, tout d'un coup, j'entends la carte du truc. Non, je te jure. Je te jure. Voilà. Et là, je me rhabille à toute allure. Je prends ce que j'avais, le pantalon, le truc et tout ça. Et je pars par la fenêtre. Non. Je jure que c'est vrai. Et je pars par la fenêtre. Et en allant sur mon scooter, je me rends compte que j'ai oublié mon slip. Enfin, mon caleçon. Et là, il était sur ça. J'ai oublié mon slip. J'ai oublié mon slip. Quoi, et alors, et le mec, je la sais pas la suite, j'ai pas sonné pour dire des noms. Attends, le lendemain, Rambo, il t'a pas dit tiens, t'avais oublié ton slip. Donc il y a un slip dans la 408. Donc il y a un slip dans la 408. J'ai pas une nouvelle. Quoi, c'est vrai? J'ai pas revu à la plage. On voit pas les mêmes têtes, le principe de. Mais j'imagine le gars qui a trouvé le slip. Ça me rappelle Gilles quand Fatou est revenu du Sénégal. Non, mais c'est vrai, franchement. Bah écoutez, alors, encore, c'est 11 nationalités un été. Non, c'est pas vrai. 11 nationalités. Vous avez fait l'Eurobiton. Et le même sur l'Eurobiton. L'Eurobiton. Non, mais sérieux, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. Quoi? Ah ouais, il mettait des points. Switzerland. Est-ce qu'il y a une nationalité qui se détache? Absolument. C'est quoi? Russe, excellent. Ah ouais. Allemand. C'est pas le moment. Allemand. Très bon coup. Très bon coup. Assez bizarrement, italien. Très mauvais coup. Cheveux de quéquette. Non, parce que l'été italien, c'est de la grande gueule, puis il n'y a plus rien. Ah ouais, il n'y a rien dans le cibar. Exactement. Ouais, exactement. Ouais. Donc, Finlande, tout ce qui est dans le nord en général, tout ce qui paraît froid, extérieurement, est chaud. Et très chaud dans un slip ou dans un lit. Ah ouais. Et à l'inverse, si on boit de ton voix qui est trop extravagant, laisse tomber, ça sera un mauvais coup. Non, mais c'est rien. Alors, je dis pas ça pour vous parce que vous êtes très extravagant. Bah oui, ce que j'allais dire. Non, je suis. Non, c'est l'exception. La Tunisie, tout ça. Eh bien, Tunisie, je sais pas, il y a très peu de Tunisiens à Mykonos. Il y a très peu. Il faut essayer. Hein. Oui, il faut essayer. Bah, écoutez, essayez tout seul, puis vous. C'est sur ma to-do list. Ma to-do list. Oui, il me reste des choses à faire. Ah oui, c'est quoi votre to-do list? Sur ma to-do list, il y a vous. Ah oui? Oui. Vous envisagez quoi de... Ah, mais non, mais pas de. Pas qu'on vive ensemble ni rien, juste coucher ensemble une fois. Ah oui? Oui? Bah vous êtes, ça sera pas possible. C'est peut-être pas sur votre to-do list, c'est sur la mienne. Ah non, c'est pas du tout sur la mienne. Bah voilà, on n'a pas la même, c'est tout. Ouais. Ça va, Benjamin? Très bien.